Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AlexNX. Petite vidéo, je la fais à l'improviste, Drake's Game, qui a une chaîne YouTube, son nom sera dans la description. J'ai fait une intro en fait, et elle y a super plu. Et du coup, en fait, il veut m'en faire une, et j'ai dit moi aussi je vais en faire une, donc on va faire le premier qui arrive à en faire une. Et qu'il a donc en fait, on va se l'envoyer. Celui qui fait la plus belle et qui l'a fait en premier a gagné. Bien sûr, ça il le sait pas que je filme tout ça. Je vais en faire une comme ça en même temps. Je pourrais vous montrer comment on les fait. Alors, comment moi je les fais. Alors là, on va en faire une avec une photo. On va prendre. J'en ai déjà une dans ma galerie. Voilà, j'en ai déjà une de photo. Donc, ouais, je vais vous montrer 30 secondes celle que j'ai faite pour Drake's Game. Voilà, donc elle lui a super plu. Du coup, il veut m'en faire une, donc je vais en faire une moi aussi en même temps. Alors, elle est où? Celle-là, voilà. Donc on va faire à base de celle-là. Donc tout simplement moi j'utilise Power Director. Alors hop, on va sur une autre. Alors donc nouveau fichier. On va mettre quoi? Intro avec Drake's Game. Voilà. Alors donc tout simplement on va aller dans l'image, on va prendre une photo. Alors celle-là ou celle-là qui est mieux? Ouais, celle-là. Voilà, donc pour l'instant ça ne fait que ça. Donc bon, déjà on peut l'augmenter un peu. Donc voilà, 10 secondes. On va faire que l'image ne bouge pas. Donc vous voyez, hop. Voilà. Ok, normalement ça devrait marcher. Voilà. Comme vous voyez, l'intro, là, l'intro, là, l'image ne bouge plus. Ok, donc tout simplement, ce que j'ai fait, je suis allé. Donc vous cliquez sur votre truc de vidéo. Ok, donc vous avez le cadran en vert. Vous allez sur le petit crayon et vous allez avoir tout ça. Vous allez sur découper et là, vous la recalez. Ok, en cliquant sur l'image. Voilà, donc là, c'est bon. Et maintenant, vous mettez. Alors, donc maintenant, on va mettre une musique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, déjà, hop, musique. On va mettre. On va mettre la même. Hop, on va la mettre à musique. Voilà. Donc celle-là, Endures. Donc on va mettre les deux en même temps. Voilà, que ça s'arrête en même temps. Donc pour l'instant, ça fait ça. Alors, maintenant, vous allez aller sur la sorte de deux feuilles. Ok, donc vous avez un cercle bleu autour. Titre. Maintenant, on va choisir un titre, par exemple celui-là. Vous voyez ce que ça fait? Voilà. Donc par exemple, on le met. Là, voilà. On va le mettre qui dure toute la vidéo. On va le mettre au-dessus, voilà. Hop là. Donc vous cliquez dessus. Ça va mettre ça. Alex. MX présente. Vous allez sur le petit crayon, ça va vous mettre ça. Donc là, ben, vous choisissez comment vous la voulez. Hein. Donc, vous voyez en dessous, c'est l'ombre, tout simplement. Alors maintenant, on va choisir la couleur. Et ça, c'est l'ombre. Donc,
remplir l'ombre. Maintenant, il nous faudrait une. Voilà, par exemple, celle-là. Elle se voit pas si mal. Alors, on peut distance, voilà. Pas trop non plus, sinon ça fait pas très beau. Voilà, comme ça. Donc pour l'instant, ça fait ça. Pas si mal. Alors, maintenant, on va mettre donc stickers. On peut mettre lui, par exemple. Hop. Vous voyez, à chaque fois, ils se mettent à côté. Vous cliquez dessus et vous les faites déplacer. Voilà. Hop. Pareil que la vidéo. Maintenant, vous le mettez plus petit et vous le mettez là. Ça en plus, ça va. Ah non, j'allais dire ça cache le logo Power Director, mais non, ça le cache pas. C'est pas grave. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Attendez, on va essayer d'en voir d'autres. Hop, excusez-moi. Alors, on peut mettre. Ben attendez, on va aller chercher. Donc, obtenir plus. Là, voilà, c'est là. Alors, voilà, par exemple, lui et lui. Ok, voilà. Alors, on en a des nouveaux. On peut lui, voilà. Lui, il est pas mal. Donc, vous mettez en dessous. Voilà, un plus petit, on va le mettre. Là, voilà. Voilà, donc là, c'est pas si mal. Excusez-moi pour tous les messages que je reçois. Après, on peut mettre. Donc différentes couleurs. On va essayer elle. Non, ça va pas. Ok. On peut mettre effets spéciaux. Alors, celui-là, par exemple. On va essayer de voir. Mais non, excusez-moi. Bon, après, on voit plus trop la couleur du coin et tout ça, mais ça peut faire. Ça peut aller. Bon, on va essayer d'en trouver d'autres. Voilà. Il n'y a pas de différence. Non, je suis trompé. Alors, donc modifier. Alors, spéciaux. On va essayer elle. Ah oui, ok. Ah, elle est marrante celle-là. Attends, on va essayer elle. En plus, avec le petit smiley, ça va. Ok, on va laisser elle. Donc je vous la remets. Voilà. Donc c'est, on va garder elle. Donc là après vous faites enregistrer le projet, elle sera enregistrée dans votre dans tous vos trucs de Power Director. Donc là on va faire produire la vidéo. On va la mettre à partager sur Facebook. Donc, je vais vous faire une petite coupure le temps qu'il y ait tout
Parce que, en fait, on va voir tous les noms des amis que j'ai et qui ne souhaitent pas forcément être montrés, donc je reprends tout de suite. Ok, alors, petit bug, donc je peux pas la mettre en fait sur Facebook. Donc on va essayer de la mettre par d'autres sorties. Voilà, Messenger. Oula. Ok, alors, donc je vous reprends tout de suite. Ok, alors c'est bon, je viens de la partager à Adrex Game. Alors, donc, on va aller sur Messenger. Ah oui, non, parce que... Ah oui, on peut pas. Ok. On peut pas aller tout ça sur son... sur son Facebook. Car en fait ça va, il veut pas montrer sa tête et ben le truc c'est que sa tête c'est la photo de couverture et il a mis son nom et son prénom donc il m'a dit qu'il voulait pas être montré. Du coup bon, je vous repasse la vidéo et je vais vous montrer d'autres intros que j'ai créées et celles que j'ai créées par Thibaut. Ok, alors voilà, alors maintenant, celle-là, voilà. Voilà, donc, Dreads Game présente, hein.